Bon, ça suffit là. On n'en peut plus là. Bonjour à tous, bonne année. Bonjour, bonne année. Bonjour de l'an, bienvenue dans cette saison 2 de Stardew Valley avec une nouvelle saison, le printemps et l'agrandissement de la maison qui est bloqué par des frigos. Alerte. Déchets partout dans l'environnement, c'est terrible. Alerte. Oui. T'as repoussé. Les bactéries débarquent. Faut que tu nettoyer, hein. C'est... On a une faux d'or, c'est trop bien ça. La maison a été okay, agrandie. On a. Moi je m'occupe des cailloux. Regardez la maison. On a un berceau. On n'a pas le temps. On a des lits en haut. On va pouvoir dormir à 4 dans la maison sans être dans le même lit. Jamais. Ah bon? Eh oui. Non, jamais. Mais en vrai, si c'est possible de co-détruire les autres maisons, ah non, on peut pas. Ça détruit. De co-détruire quoi. Et. Moi j'avoue, ça va nous détruire. Est-ce que c'est un passage ça? Non, c'est pas un passage. Il est fou. Du bois! Plante les arbres, Nino, plante les arbres. Attends, Yachi. Mais juste, excusez-moi, j'ai une question, mais vu à la vitesse de la journée qui a commencé, vous êtes sorti de quelle maison? De la vôtre? De la nôtre, oui. D'accord, ah, c'est nouveau. Malheureusement, ça. Malheureusement, on a été obligé. Bah, c'était pour la nouvelle année, je pense. Alors, les arbres, oui, je m'occupe des arbres. Moi, je suis obligé, de refaire la déco de ma maison. Là, y a pas le choix là. Mais y a plus prioritaire. Dit-elle alors qu'elle a fait de la déco pendant tout son jeu quoi. J'hallucine. C'est vrai ça. Il me faut du panier, il me faut du panier. Ah vite, vite. Ah, alors abricotier, cerisier, c'est ça. C'est ça. Et avec les pousses vite. C'est ça. Okay, les pousses vite. Là va falloir que tu regardes parce que je sais pas du okay, tout. Ok, tout est clean. Très bien, merci. Si tu peux me faire des trous pour que je commence à planter mes graines parce que je suis déjà mis énergie quoi. Ah, j'ai juste fait les cailloux, attention. Mais quel enfer! Là, je suis en train de nettoyer le poulailler et ça a poussé dans le poulailler et des cailloux dans le poulailler. Ah, ouais, genre. Mais y a de tout partout. Ouais. C'est un peu compliqué. C'est ouvert! Salut Pierre, bonjour! Allez, nanana. Vite, pané. L'engrais de croissance rapide n'est utile à aucun paquet, blabla. Il peut être utilisé dans la bobine, blabla. Il n'est pas utile à la quête, blabla. Oui, mais comment il marche? Je ne sais ah, pas. Ah, mais j'ai pas de. Fonctionne. C'est un engrais. L'engrais est utilisé en vue d'aider la croissance de la récolte. Cette certains engrais sont utilisés en les plaçant sur la terre retournée avant d'y mettre les graines. D'autres peuvent être utilisés après avoir planté les graines. Aussi bien que peut-être qu'il faut planter un arbre après, ouais. Ouais. Peut-être qu'il faut planter un arbre et utiliser le machin. Mais vas-y, utilise-le pour tester, c'est pas très grave. Ok, alors je plante un cerisier. Attends, non, plante un petit arbre et teste dessus comment ça fonctionne. Ah, tu veux dire... Oui, mais on va pas voir l'effet tout de suite, je crois. Bah, tu verras normalement sur la case autour si ça fait tchic-tchic ou pas du tout. Tchic-tchic-tchic-tchic-boum. Ça fait tchic-tchic, c'est que c'est bien parti, c'est ça? Je pense, ouais. C'est normalement, t'es censé avoir un effet. Là, moi, sur mon sol, je suis censé voir les effets. Bah je vois rien, et ben voilà. Il se passe rien. Je clique mais ça fait rien. Non c'est pas celui-là, c'est le vert qu'il te faut. Ah bon, le vert spécial ah arbre. Ah bah je sais pas moi. C'est pour ça que je te le dis. Vert. Ah, engrais pour arbre. Ok, si je clique dessus... Ah oui je peux cliquer. Ah. C'est j'ai cliqué et il est devenu rouge, ok ça a l'air de marcher. Alors attends, maintenant je fais ça sur le cerisier. Attends, c'est lequel de cerisier? On est à fond. Avec une cerise. Nouvelle saison, à fond. Il y a un bac là où je voulais mettre cet arbre. Qui a mis ce bac là? Ça va pas le faire. C'est pas moi. Ça va pas le faire, il faut bouger le bac. Jake! Il faut bouger le bac. Quel bac? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça passe quoi? Ah, oh, cinématique. Oh. Ah, bah clairement. Ben ça va, le beau gosse du village, il revient après un an, c'est ça? Ah là là, on dirait un film de Noël. Hello Kent, how are you? Il voulait juste se présenter, ouais. J'en sais plus. C'est un peu chaud, hein. Il est célib? Attention, boîte aux lettres. Le prix des matériaux bruts chez Robin et chez Clint a augmenté. Ça, c'est dommage. Oh cool, ça se ramasse, parfait. Alors attendez. Bah c'est un matériau brut, hein. Normalement on les achetait pas de base, hein. C'est plus joli en vrai. Imra, c'est vraiment un pote, hein. Regardez ce qu'il fait. J'essaye.
Et tu gagnes un pote. Ah, mais je gagne un pote, là. Oui. Tu vas pas être content. J'ai planté le cerisier. Mais t'as pas réussi à le booster. Je peux pas le booster, ouais. Bon, c'est pas très grave, ça. Et l'autre, tu peux ? Ouais, l'autre, j'avais réussi, par contre. Ah, bon, c'est pas grave. Un sur deux. Enfin, l'autre, tu veux dire l'abricotier ou l'érable, machin ? L'abricotier. Non, l'abricotier, j'ai pas essayé encore. Ah, bon. Bah, c'est pas grave. De toute façon, au pire, si on arrive à avoir... si on arrive à faire déjà... C'est 28 jours de matin. Non, c'est 20 jours, je crois, à peu près, au max. C'est vous, il y a un abricotier qui arrive. Okay. Salut, Draken. Ouais, Hello, Draken, il arrive à la fin. C'est dommage. C'est ça. Attends, mais le problème, c'est que... Travailler. Oui, il va falloir que j'arrose tout, là, pour l'instant. Vu que c'est le début. Ouais, après, faut tout arroser. Non, il y a les arroseurs automatiques, hein. Oui, mais c'est que sur les cases adjacentes, pour l'instant. C'est bizarre. Figure-toi, Ouais. Y a qui ? C'est les moyens, sur tous les arbres de type normaux, je peux. Mais sur les arbres fruitiers, a priori, je peux pas. D'accord, bon, bah, c'est pas grave. Au pire, on verra comment ça évolue. Puis mi-saison, on commencera à planter les arbres d'été. Et puis voilà. Hein. Comme ça, moi, en été, on sera sûr d'avoir des fruits. Bon, je continue de nettoyer la... personne n'a ouvert aux animaux. Putain. Encore. Vite, aux animaux. J'ai quasiment plus d'énergie, j'ai déjà... Enfin, mais pareil, c'est l'enfer. C'est le début de la saison, c'est l'enfer. Pour vous expliquer, pour les arroseurs. Les arroseurs, je vais te montrer Jake et on timera. Là, ceux qui sont posés, ils arrosent... gauche, droite, les... au bas, c'est tout. Non, les 8 que je n'ai pas arrosés là sur ce carré. Ah, le carré tout autour en fait. C'est ça. Et quand il va falloir le carré extérieur. Au niveau d'agriculture. Ouais. Donc là, l'arroseur fait son tour proche, mais pas. Oui. C'est ça. Il faudra arroser sur l'extérieur. Et l'iridium fera plus. Il fera tout. Il fera tous les carrés. C'est pour ça que il faut monter le niveau d'agriculture. La parcelle est prévue pour l'iridium, justement. Oui. Alors, du coup, mais l'iridium, comment ça va fonctionner ? On n'aura jamais à arroser ou il y a un système de récupération d'eau ? On n'aura jamais à arroser. D'accord. Et autre chose, dans ce cas-là, si vous voyez qu'il y a des plantes qui sont récoltables, ne le faites pas. D'accord. Ne le faites pas parce que déjà, je vais vous engueuler et... Et non, c'est pas du gazon qu'il faudra mettre, c'est juste que sur le coup, il faudrait que j'augmente mon niveau d'agriculture pour que ça puisse me permettre de faire les iridiums assez vite, quoi. D'accord. Voilà, c'est tout. Voilà. Et je pense que je vais bientôt... C'est quoi ? Là, il y a une graine ici en bas, ici dans l'écran, c'est quoi ? C'est un arbre, ça. Ça, c'est un arbre, ok, donc je touche pas. Ah, il y a des arbres qui reviennent. Mais c'est un truc naturel, veux dire, c'est pas une pousse volontaire de quelqu'un d'entre nous. Naturel. Oui, je demande, je pose des questions. Oui, pas de soucis. Comme ça, moi, ça évite de faire des bêtises. Naturel. Mais je l'avais pas arrosé, là. Quoi. Ah non, t'es en train de mettre les graines, pardon. C'est pas grave. Bon, je vais me coucher, je suis fatigué, je marche de l'heure, tellement j'ai plus d'énergie. Donc là, tu as planté quoi ? Pars trop vite. Tu as semé quoi, pardon, c'est plus le terme exact. Au début, le premier carré, c'est du pané pour qu'on ait les panés de haute qualité. Ouais. Le deuxième, il y a un mélange, il y a de la betterave, il y a du chou-fleur et des plantes... En fait, j'ai planté toutes les graines qu'il y avait dans nos coffres de printemps et surtout toutes les graines sauvages. Et après, on verra quand j'aurai des parcelles, on va dire de nouvelles parcelles. Soit je replanterai des panés parce que ça peut toujours être utile, soit des chou-fleurs... Ce qui fait de l'argent, quoi. D'accord. Mais là, pour l'instant, ouais, j'ai mis des engrais de haute qualité sur les panais, comme ça, on est sûr d'avoir les 5 et de pouvoir finir le centre communal assez vite. Voilà. Les animaux, c'est ouvert, mais les récoltes ont été faites chez les animaux, c'est bon, les œufs, le lait, tout ça ? Ouais. Okay. Non, le lait, j'ai pas eu le... Ah merde, je te donne le seau. Oui. D'accord, hein, tout ce qui est dans le poulailler, c'est toi qui viens de les mettre à pousser, hein. L'herbe qui est dans le poulailler. Ah oui, c'est moi qui viens de mettre. Surtout, tu coupes pas. Ouais, mais je mets le seau dans le coffre. Nino, regarde. Ouais. Nino, regarde, je te tends une perche. Mon dieu. Elle s'en fout. C'était la blague, mais elle s'en fout. Ça, c'est terrible. Elle
Elle a même pas souri. Elle n'a même pas souri. Ah oui, il faut que je plante des fleurs ici. Ah, c'est chaud de tout faire comme il veut. Voilà, quasiment tout faire en vrai. Hein. Mmh. Demain, je prendrai des fleurs Nino pour les planter autour des ruches. Ok. Voilà. C'est normal que je sois désespéré. Oui. Ouais, on est désespérant. Ouais, je suis aucun problème. On est désespérant, t'inquiète pas, on comprend. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison alors? Il paraît que tout a bougé. Apparemment. Bah, un petit peu. Ah, quelqu'un a fermé les animaux? Non, personne, parce que c'est moi qui dois m'en occuper. Vite. Vite. Non, c'est juste que je suis passé, mais j'ai pas pensé. Vite. Bon, allez, 20h30, ça va, t'es lâche. Je peux pas dormir dans le berceau. Pardon. Tu sais que tu t'as mis les mélanges de graines. Je peux pas, je peux même pas dormir dans les lits d'en haut. Là, là. C'est nul ce jeu. La nullité. Nul. C'est nul. Je vais mettre là-dedans. Bon alors, okay. Internet. Elle est bien la maison en fait. Mais du coup, ça veut dire que il y a encore un truc pour avoir la cave. Putain, mais pardon, purée. Oh mince, ça veut dire que... Ah ouais, bah je pensais qu'on l'aurait là, mais... Et non. On... Non, non, il n'y a pas la cave, là. Ou alors j'ai raté quelque chose, mais... Non. Ouais, je sais pas, mais je suis assez déçu, là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Par contre... Par contre... Je vais réfléchir, en route. Ça m'a l'air de réfléchir. C'est bien. Non. J'avoue. C'est plutôt pas mal, on va dire comme ça. Pardon. Jody avait des algues, mais 60 PO la livraison. 60 ? Combien d'algues ? Une algue, je crois. Une ? Bah oui, une. Les deux quêtes, c'est insectes juteux, 100 morceaux de viande d'insectes, ou alors fragment du passé sans ossements. Enfin, les ossements, c'est plus rapide. On va juste pas oublier de les récupérer, pas les mettre dans la caisse. D'accord. Moi, j'avoue que les ossements, je peux pas t'aider là pour l'instant. Non, mais moi je le ferai. Je sais même pas comment on fait. Le premier jour, pas perdre de temps. D'accord. C'est faisable, mais faut juste être attaqué dessus. Mais je suis un idiot, je me suis épuisé le premier jour. Est-ce que ça veut dire que j'aurai pas d'énergie demain? Bah si t'es full vide, ouais, tu vas pas remonter à 100%. Mais j'ai l'état épuisé, mais je sais pas s'il va partir, parce que là, j'arrive au début de ma... Enfin, j'ai re-rempli ma barre, est-ce que ça va partir ou pas? Genre, j'ai dormi depuis 18h, je crois. Ah non, c'est l'effet de pas. Mince. C'est-à-dire que demain, j'aurai un débuff. Ouais, je vais pas dormir dans les lits à eau, c'est de l'arnaque. Allez vite au lit. Mais si, dans les, pas dans les petits, tu peux, non? Non. Ah bon? Non, les petits on peut pas. Ah d'accord. J'ai il est là le petit Flamina, d'accord. Okay. Non, je vais pas le manger, non, je vais le poser. Je suis déçu. Moi aussi, je suis très très déçu. Allumer la lumière dans la figure en arrivant dans le lit là. J'avoue, genre. Hey, salut! C'est la lampe torche du téléphone. Waouh! C'est mon poisson! J'ai tellement pas envie de m'arrêter. Et là, y'a ça!